La légende ivoirienne Didier Drogba a fait savoir ce 21 avril 2022 qu'il a désormais son nom inscrit en lettres d'or dans les annales du football anglais. Didier Drogba, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, FIF, qui doit avoir lieu ce samedi 23 avril 2022 à Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire. Avant ce jour fatidique, Didier Drogba a été honoré ce 21 avril 2022 car il intègre le cercle très restreint des meilleurs joueurs de l'histoire de Premier League, première division de football d'Angleterre, grâce aux Anglais qui ont reconnu le mérite de l'ex-international ivoirien. C'est lui-même qui a divulgué cette information. Drogba traduit sa gratitude aux supporters de Chelsea et à ceux qui ont voté pour lui, un véritable honneur d'être intronisé au temple de la renommée de la Premier League. Merci beaucoup à tous ceux qui ont voté et à Chelsea FC, les managers, les entraîneurs, les joueurs et les fans qui ont fait de mon séjour en PL une expérience si incroyable, écrit l'ex-attaquant vedette de Chelsea Foot Club. Pour rappel, il faut savoir que Didier Drogba a rejoint Chelsea en 2004 en provenance de Marseille. Il a écrit les plus belles pages du football et de ce club. Il est resté dans le club londonien pendant 8 émoticônes n'en croyant pas ses yeux, saison. Didier Drogba est l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire du football ivoirien. C'est d'ailleurs sous l'ère Drogba que Chelsea a remporté sa première Champions League. Au pays, Didier Drogba est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football ivoirien. C'est grâce à lui et à ses coéquipiers de la « Génération Dorée » que la Côte d'Ivoire a participé à sa toute première Coupe du Monde en 2006 en Allemagne. Lirossi Koumassi, une femme tentant de traverser le boulevard pour rejoindre une pinasse et tuée par un véhicule en plein depuis lors, la Côte d'Ivoire est reconnue en Afrique et dans le monde comme une grande nation de football. Conscient de son importance dans la position du sport roi dans son pays, Didier Drogba veut briguer la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Malheureusement, il semble ne pas avoir la faveur des pronostics. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.